La météo l'avait annoncé, et bien ça y est, on y est sous la pluie pour la première journée de cette deuxième étape du championnat de France 24 et mix d'enduro. Ils vont s'élancer d'ici quelques minutes sur les trois belles spéciales qui ont été préparées par le motoclub ici à Bar-sur-Seine en Champagne-Ardenne. Ça risque de glisser. Il faut noter l'absence de Christophe Nambotin en élite 1. Du coup, ça va beaucoup se battre. On imagine que Bourgeois va en profiter pour marquer des gros points. Pella est là, fort de ses deux victoires en Grèce. Et puis Bellino aussi, le leader du mondial pour les élites. Bref, on va revivre cette première journée ensemble. Finalement, cette histoire de pluie n'aura duré que le temps de présenter l'épreuve. Il a très vite fait beau et chaud. Sans transition, on enchaîne avec la compétition et ça commence par les juniors. Luca Garello a vraiment fait une journée particulière, oscillant entre la 2 et 11e place. Mais au final, le protégé de Cyril Esquirol boucle cette première journée à la 5e position. Juste devant, c'est l'abonné aux 4e place depuis le début de la saison, l'ex-militaire désormais pilote Sherco Academy, My League Bron Fontanaz. Une 18e place sur la dernière spéciale, lui coûte cher, il redescend de la 2 à la 4e place. On monte sur le podium avec Mika Barnes. Le franco-finlandais a surtout fait un superbe 3e tour avec notamment un scratch sur SP7. Et Théo Bazerc a dû se battre pour accrocher sa 2e place. Il se réveille à mi-journée après une entame moyenne en faisant les meilleurs temps sur SP5, 6, 8 et 9. Enfin, c'est le patron, le champion de France en titre Jérémy Carpentier qui remporte cette première journée avec 28 secondes d'avance sur Bazerc grâce à un excellent début de course. Chez les élites 1, avec une journée très constante, l'ex-officiel gaz-gaz Loïc Minaudier, qui roule sous les couleurs de la Cima, termine 5e, mais bien loin de ses concurrents, à commencer par le fantasque marseillais Benoît Fortunato, qui termine encore 4e après Priva. Malgré les deuxièmes temps sur l'extrême, le podium, ce ne sera pas encore pour cette fois. Et c'est un plaisir de le revoir sur une moto, mais encore plus sur le podium avec la 3e place, même s'il doit regretter la 2e position qu'il a longtemps occupée. Anthony Boissière n'a pas pu contrer le retour fracassant de Marc Bourgeois en fin de journée. En effet, l'officiel Yamaha a vraiment mal débuté et a dû aller puiser dans ses ressources pour finir 2e, même s'il était grand favori. Et oui, il est intenable sur sa 2,5 WRF du team B2R. Julien Gauthier a été intraitable. Très à l'aise sur la ligne, il a compté jusqu'à 50 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il réalise une magnifique journée et peut savourer son succès. Pour demain, il est déjà plein de promesses. Il va se rebeller là, Bourgeois. Il a pris une tarte sur le derrière de la tête, il n'est pas content. Il a dit demain, je remets les pentules à l'heure. Oui, moi je vais essayer de faire pareil aussi, donc je vais faire un peu la même approche, je vais attaquer fort d'entrée pour lui faire voir que je suis là et après on verra ce que ça dit à la fin de la journée. Et chez les mid-size, les plaques rouges, on commence avec celui qu'on entend si on ne le voit pas, le bout en train du paddock, Kevin Panis, mal parti avec une grosse erreur sur l'extrême. Le pilote Sherco Academy s'est bien repris pour signer une 5e place.
Juste devant, c'est mieux pour Romain Dumontier qui se rapproche du podium. Lui aussi a été surpris par la difficulté de la SP3. Il a dû cravacher pour recoller. Mais ce n'a pas été suffisant pour avoir Nicolas Deparoy. Le pilote Atomic Moto monte à nouveau sur la troisième marche du podium après Priva. Même si la journée a très mal commencé, Dup a ensuite montré plus de constance dans ses chronos. Pas de grosse surprise à la deuxième place, Loïc Larieux n'a pas vraiment réussi à mettre en difficulté Pella, même s'il lui a pris quand même une spéciale pour quelques dixièmes. Que dire de plus? C'est à chaque fois la question qu'on se pose. Pella est le patron de la catégorie, en témoigne sa double victoire au Grand Prix de Grèce le week-end dernier. Il boucle cette journée avec près d'une minute d'avance. Termine les élites avec les E3. Pierre Vissac termine 5e de la catégorie malgré une première extrême ratée. Antoine Basset ne semble pas à son niveau. 3e à mi-journée, il fait cher ses erreurs de la ligne, piégeuse au 3e passage et seulement à 8e temps. Le champion de France en titre termine 4e. On monte sur le podium avec le seul représentant KTM de cette manche champenoise. En effet, Jérémy Joly est monté en puissance tout au long de la journée et a même pris deux scratchs sur le dernier tour. Ses erreurs sur la dernière spéciale ne lui ont finalement pas porté trop préjudice. Sur la deuxième marche, celui qui s'est senti comme à la maison sur ses spéciales typées classiques, impressionnant Alpepar. C'est lui qui menait la course avec 2 secondes 5 d'avance avant la dernière SP, la fameuse extrême sur laquelle Bellino était plus à l'aise. Un conflit de génération entre ces deux-là, deux écoles différentes mais qui ont largement animé la journée. Bellino a eu le dernier mot pour cette fois, même s'il a eu chaud. En gros, pour résumer, t'es super content pour Manu, mais heureusement qu'il est derrière. Exactement. Je l'ai même félicité à l'arrivée en lui disant presque ça m'embête de l'avoir battu dans la dernière spéciale parce que je l'aime bien Manu, il a bien roulé, ça me fait plaisir pour lui, mais bon. J'ai des points à marquer. Je suis quand même assez fier de moi parce que c'est Mathias, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, il gagne un peu tout. Mais ça m'aurait vraiment fait plaisir quand même. On ne se quitte pas comme ça, évidemment, du côté des très jeunes, les espoirs. La victoire est signée Valérian Debeau devant Alexis Beau et Xavier Flick. Enfin, chez les dames, victoire sans appel de Ludivine Puy devant Blandine Dufresne et Juliette Bérez. Rendez-vous demain, sous la pluie ou le soleil, je ne prends plus de risques pour la deuxième journée du championnat de France, Enduro 24MX.